C'est vraiment le fun. Puis, moi aussi, j'ai étudié au cégep de Matane. C'est pas mal Alors, ça que je... on vient de me dire sur mon live que mon son n'était pas activé. Oh, Fait qu'on va nice. pouvoir Ah reprendre non. tout ça. Au moins, on se parle. Oh. Fait que Ok, maintenant que le son est ça activé et que marche. tout fonctionne parfaitement, on va pouvoir recommencer de zéro. Fait que bienvenue Oh. encore à tout le monde. Cette fois-ci pour de vrai sur le live de État d'Art. Fait que pendant 3 heures, nos artistes vont pouvoir créer une pièce de zéro. Et vous démontrer leur technique, parler un petit peu de leur procédé, de ce qu'ils aiment et de leur art en général. On a eu quelques problèmes techniques, c'est pour ça qu'on démarre un petit peu plus tard que prévu. Notre émetteur ne pourra pas être là ce soir, fait que je vous invite vraiment à aller sur le site vraiment d'etatdart.com et de vous balader d'un live à l'autre et de discuter avec les différents artistes. Fait que, comme je l'ai mentionné précédemment, on est quatre ce soir, il y a Antoine Flynn, Caroline Bruno, Joey Desrosiers et moi-même, Fabien Cassis. On va être avec vous pendant 3 heures environ. Fait que vu que le live a commencé un petit peu plus tard, on va rester avec vous un tout petit peu plus tard pour vraiment avoir le 3 heures tout rond en votre présence. Puis c'est ça, fait que on va parler du coup de Antoine qui va se présenter rapidement à vous. Bon, alors pour la deuxième fois, mais bon, plus rapidement. Alors, Antoine Flynn, artiste 3D, j'ai étudié, comme la plupart des gens ici, au Cégep de Matane en 3D. Et puis là, ben maintenant, je suis rendu enseignant au Collège Sullivan de Québec. J'enseigne tout ce qui est moteur de jeu, Unreal Engine, ainsi que Blender. Et maintenant, je me consacre à l'enseignement. Parfait. C'est à toi, Caroline. Salut, moi c'est Caroline. Je travaille comme concept artist à Binox. Puis moi aussi, j'ai passé par le cégep de Matane un petit peu avant les gars. Ça fait à peu près 8 ans là, bientôt que je travaille dans l'industrie. C'est ça. Oh. On a perdu du son, je pense. Ouais, je pense qu'on t'a perdu pendant une petite 30 secondes, mais on va continuer sur Joey. Alright. Ben, moi, c'est Joey Desrosiers. Je suis concept artist à Binox avec Caroline. Puis ça fait 5 ans que je suis là. Puis avant ça, j'ai fait un peu d'études à l'université. Que j'ai lâché. Puis avant ça, j'étais au cégep de Matane, que ça, c'était vraiment le fun. Aussi avec Flynn, puis ben Antoine Flynn, puis Ouais, c'est ça. Caroline. On était, Ben, on puis vient Fabien tous un petit aussi, peu de en là. fait. Fait que, C'est ben, ça. pour finir, moi-même, Fabien Cassis, je suis actuellement texture artiste chez Digital Domain. J'ai aussi étudié au Cégep, dans la même, du coup, dans le même Cégep que Antoine, Caroline et Joey. Ben du fun. J'ai travaillé dans différents, ben, dans différentes places. Je travaillais dans un petit centre dans un centre de recherche qui est juste à côté du Cégep de Matane. Je travaille à Framestore, puis maintenant chez Digital Domain. Je m'amuse à créer sur mon temps libre des pièces 3D, des illustrations, à découvrir un petit peu des logiciels, des techniques que je ne connais pas. Fait que c'est ça, mon loisir général, c'est pas mal d'explorer les différents médiums, puis d'explorer des nouvelles techniques de 3D et d'en apprendre toujours plus. Avec nous, il y a Sébastien Leblanc, justement, de coordinateur du programme de 3D du Cégep de Matane. À toi, Bonjour Sébastien. Fabien, bonjour tout le monde. Allô? Yes, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend Oui. parfaitement. Oui. Ouais. Génial, donc ça me fait plaisir d'être là avec vous autres pour une partie de la soirée. Le Cégep, en fait, c'est ça. Moi, je suis coordonnateur au département. Donc, mon rôle au-delà de l'enseignement va aussi dans l'extracurriculaire. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, on avait le Festival FOSS avec qui on collabore depuis plusieurs années, qui sont venus nous voir pour nous demander qu'est-ce qu'on aimerait programmer dans le cadre de ce festival-là. Puis, moi, j'avais été témoin de la prestation de cette gang d'anciens du Cégep du département de 3D en février, si ma mémoire est bonne. Fait que C'est j'ai bien ça. dit d'emblée. C'est bien ça, hein, Fabien? Non, c'était en mai. Février, t'as raison, excuse-moi, je me confonds. Ouais. Ah.
Ouais, mais c'est celle-là d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est de voir ces artistes-là, ces anciens étudiants en plus. On aime beaucoup au département. C'est un peu une belle famille. Puis, je pense que ça s'est senti un petit peu tantôt quand Joël s'est exprimé, Caroline et tout ça aussi. Donc, on aime bien voir ce que nos anciens étudiants font. Puis, quand on a des trucs comme ça qui sortent un peu de la boîte, moi, c'est ce que je trouve intéressant aussi, l'aspect artistique derrière ça. Donc, des choses qui sortent de la boîte, qui vont au-delà du rôle d'artiste 3D ou de technicien 3D, je devrais dire. On trouve super important là, de pouvoir leur donner de la place. Donc, on avait aussi un autre qui a donné une belle conférence hier, qui est Jean-François Marloin aussi, qui est un autre collaborateur du département. Donc, c'est ça, c'était tout naturel pour moi d'aller vendre le projet État d'art aux gens du Festival FOSS pour s'assurer qu'il y ait cette belle vitrine-là ce soir. Bah, magnifique. Ça me fait plaisir Cool. d'être là en tout cas. Vraiment cool. Yes, donc bonne perfo tout le monde. Cool, bah, merci. Passe une Merci. bonne soirée. Yes, merci. Bye. Bye. Donc, c'est pas mal ça. On va pouvoir tous avoir du fun. Si vous voulez retourner sur votre channel, allez-y. Sinon, vous pouvez vous balader libre à vous sur le Discord. Pouvoir Ok, commencer. ça marche. Je vais pouvoir commencer moi Parfait. aussi de mon bord. C'est parti! Right. Hop là! Et nous voilà partis pour de vrai. Fait qu'on a quand même notre animateur qui est là pendant la soirée. Qui va peut-être pouvoir revenir, puis qui va se balader sur les différents channels du Discord, fait qu'il va sûrement popper sur les différents lives des artistes. Fait que je vous invite vraiment à vous balader d'un live à l'autre, à n'importe quel instant, pour profiter de toutes les créations de tout le monde. Fait que c'est parti, moi je vais commencer avec Daz. Ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va prendre un perso. On va le mettre en pause, on va le lighter, on va travailler un petit peu l'esthétique de ça, faire quelque chose de quand même relativement simple, mais efficace. Donc, on va se prendre un personnage de base. On va se prendre une petite pause de même. Et on va personnaliser sa pose avec une pose que j'ai déjà. Pose du. Okay. Voilà. C'est une magnifique pose pour ce dont on va avoir besoin ce soir. Je pense que le. Ouais, on va prendre tout ça. On va l'exporter. Et ce qui est cool avec Daz, c'est que c'est un logiciel gratuit en plus. Fait que vous pouvez le prendre. Je vais peut-être mettre un petit fond sonore. Tac. Pourquoi t'as dû quitter ce quartier? Quelqu'un a vu la bouteille? Parce que T'es trop petit? moi je pense que les gens sont trop. Voilà. Et merci à toi pour ton abonnement. À toi la tchuss. Est-ce que vous entendez le fond musical? Parfait. C'est ça, là c'est un logiciel gratuit. Puis ce qui est cool avec ça, c'est que vous pouvez facilement prendre des personnages, les mettre en pause si ça vous tente, puis jouer un petit peu avec eux pour. Bah, c'est ça. Faire en sorte de faire ressortir une position que vous désirez, l'exporter, vous pouvez même les habiller vos personnages. C'est vraiment un logiciel qui est cool puis qui est gratuit, fait que je recommande. Et moi, je vais exporter mon modèle. One pose 0.
belle nomenclature. Et on va importer ça dans Blender. Ok, je vais baisser un peu le son. Voilà, normalement c'est censé être un petit peu plus agréable de même. Fait que c'est parti, on va mettre ça en position. Besoin de ça avec sa dégage. Là, on a un magnifique perso. Hop. Juste. Je vais le merger avec le plane pour vraiment effacer toutes les informations qui font partie des modèles de DAZ souvent. J'aime bien le faire ça comme ça parce que ça permet vraiment tout effacer, prendre uniquement les informations du plane. Minimum Past, Apply. Alors évidemment, la tablette ne fonctionne plus, c'est magnifique. Parfait. On a au modèle, on va pouvoir enlever les informations qui ne servent à rien. Je vais plutôt l'appeler body. Fait que maintenant qu'on a ça dans la scène, on va choisir peut-être un petit plan de caméra pour aller mettre l'emphase sur le personnage. On vient créer une caméra. Puis la caméra, on va aller la positionner. Si on se met dans la vue de celle-ci, répondre. Je pense que l'idéal c'est. On va se mettre à 2 mètres. La distance, non. De placer la caméra de façon adéquate. Là, on a quelque chose de happy. Note à 0.5, pour l'instant, ça va être correct. Hop. Parfait. Fait que, à partir de ça, on va faire une petite rotation. Je viens me mettre dans la vue. Je vais en rajouter une petite vue, moi. Vertical, horizon, split. Tac. Vertical. Tac. Dans celui-là, on se met dans la vue de caméra. Caméra. Parfait. Comme ça, on va pouvoir avoir une interaction en temps réel. Ça, c'est cool, mais je pense que c'est peut-être un peu gros. Je pense que je vais la scale down. Et déjà, je vais faire un petit moins 1 pour faire perdre de bord. Là. On va scaler ça, pas que ce soit aussi
info. Puis, hop, on va replacer la caméra. Oh, quelque chose d'intéressant. Et ça, on va mettre un point 15. Petit point. Un point 5. Et on va placer ça correctement. On a un petit. C'est encore un peu gros. L'angle de la caméra de 70. Un petit plan de respire. Protection. Wow. On va faire en sorte qu'elle regarde quelque chose qui est vraiment un petit peu dans les airs. Intéressant. Ouh. Ok, c'est qu'on a quelque chose d'intéressant là. Peut-être diminuer la hauteur de la caméra un petit peu. Qu'on a quelque chose de cool. Ouais, on a quelque chose de papier. On va pouvoir commencer à. On va mettre un petit début d'éclairage histoire d'avoir un petit aperçu de ce que ça pourrait donner. Light, on va prendre une petite area light. On va mettre ça en disque. On va commencer par Keylight. Je pense que c'était pas pire. Hop, on est en cycle. Tac. Voilà. On va commencer à régler ça. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais aller splitter ça. Là, je pense que je vais splitter le même. Là, mettre la vue de la caméra. Alors. C'est une chanson. Magnifique, cool. Fait que Lucky Light. C'est ça, tranquillement. Quelque chose d'un petit peu plus. 800. Peut-être. Point 5. En l'ayant un peu plus loin, ça devrait être pas pire. C'est pas très long. Oups. Ah, c'est ça. Ok.
juste pour avoir les choses correctement. On a quelque chose d'intéressant. Ouais. Ok, notre Big Harrier, parce que c'est notre éclairage clé. Je me rappelle encore une fois, mais n'hésitez pas à faire un petit tour sur les différents lives pour voir un petit peu ce que font tout le monde. Je vais faire un petit tour moi-même pendant la soirée, à droite, à gauche, puis me balader. Oh, bien. J'ai hâte de voir un petit peu la fin de tout le monde. Bon, je vais y aller tout en sobriété ce soir. Peck, on a notre keylight, magnifique. On va essayer de nous faire une petite backlight. Bon, je vais laisser les bains allumés. Tac. On copie celle-là. On va l'appeler back. Et là, ça va être notre back. Et qu'on va la placer de même. On va mettre un matériel au moins dessus pour qu'il y ait quelque chose. Je suis en train de me rendre compte que j'ai ma caméra par-dessus le lit de viewer. Je vais faire l'inverse. Comme ça, vous pourrez voir. Et elle, ce que ça donne. Avec ça, ouais, essayer de se faire un petit backlight cool et de chercher un petit peu de détails dans l'oreille sans trop récupérer. Il y a quelque chose d'intéressant. Ouais, diffuser un peu plus ça. Que 8 c'est beaucoup. Blender a craché, incroyable. Mais... Bon, on recommence parce que j'ai été intelligent, je n'ai pas fait de contrôle S. Peut-être que j'ai un autosave dans mes dossiers. Hop, on va aller chercher un autosave. On a un autosave. Merci. Cool. Donc, on va pouvoir reprendre. Hop, vue de la caméra, on réactive la vue. Notre Q-Light n'était pas encore nommé. On va faire un petit contrôle S en nommant les affaires correctement. Work. T. Hop là. Voilà, on a une sauvegarde. Ouais, ça arrive. Hein. Ça fait partie des aléas de la vie.
C'est vraiment trop con, hein? Ça a crashé juste parce que j'ai changé de la dimension du disque. Quand même particulier. Fait qu'on a notre key area qu'on va dupliquer. Celle-là, on va la renommer pack parce que ça va être la pack light. Se mettre comme ça. On va la repositionner. On va se mettre en local, on va se mettre en default. Pouf. Bon, alors on a à peu près récupéré ce qu'on avait. On va voir si. Enfin, que ça crache pas. Hop. Peut-être. Petite rotation, puis déplacer un peu ça. Peut-être que j'irai la mettre un peu plus loin. Je trouve ça cool, mais l'épaule est un petit peu trop éclairée. Hop. Check, fonctionne. Bon, on va dire qu'on a notre backlight, ça va être correct pour commencer. On va faire une copie de celle-ci, ça va être notre fill light. C'est la bonne. Hop. On va lui donner une petite rotation. Forcément, ça éclate complètement le personnage. On va mettre 10 watts. C'est encore trop, 10 watts. C'est encore trop. Oh, on va dire 3. 3, ça devient intéressant. Cool. Est-ce que c'est. En 5 watts, ça va être plus proche. On va descendre ça. Vraiment, c'est. Quelque chose de subtil, fait qu'on va encore descendre. Intéressant. On pourrait mettre un peu de couleur dans la key light. Hop, en RGB. En RGB, on va. Chercher dans les bleus. Bleu dans les bleus. Du tout assez forte, on va la booster, on va mettre le double. Toujours pas, on va y aller fort. Backlight, la veut, on peut-être un peu plus. On va la reculer. Dessiner presque toute la silhouette. Fill light peut-être un peu forte.
Ah, assez forte. Et celle-ci, elle est cool, mais peut-être qu'elle serait plus intéressante. Un petit peu décalée. Quelque chose d'intéressant, on va mettre la flèche de base. Je pense que maintenant je vais m'occuper du modèle en soi. Elle, on va vouloir faire quelque chose. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le visage. Juste de sculpter comme si son visage était effacé. Ce sera plus intéressant. Ça va donner un meilleur impact au fait que je peux pouvoir faire en sorte qu'on ressente la fragilité et le silence en fait du lieu et de la scène. Faire pour ça, on va y aller un peu le scoop. Faire quelque chose de rapide là-dedans, puis après je vais aller dans ZBrush pour faire un remesh du visage. Tac tac, on va enlever les globes oculaires. Ça aussi on n'en veut pas, ça nous intéresse pas. Pour centrer la caméra. Je vais enlever quelques polygones. Un œil à la fois parce que hein, pas super sinon. Tac. Un petit peu. On va dégager ça. Le citron. Et on va boucher le nez aussi. C'est quelque poli. Hop, on va aussi faire la sélection pour aller ensuite prendre les polygones restants. On enlève ça, on n'en veut pas. Même chose ici. Hop, on va les enlever. On va maintenant enlever l'intérieur de la bouche. Genre, ouh, ça on en veut pas. Voilà. Ouh, je vais aller pour là.
et on va aller jusqu'à... Jusqu'ici, c'est correct. On va sélectionner quelques plis qu'on va enlever, qu'on veut pas. Que font nos amis? On est en pleine construction. Je vois aussi, il nous fait un beau petit paysage. Nice. Hop, on va dire tout ça. Et toutes les boues qui sont pas accrochées. Ça dégage. On va sélectionner. Quelque chose de cool. Maintenant, je vais boucher les trous de façon, je dirais, rapide. Puis après, on va pouvoir modeler un peu plus la face. Tac, 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 tac. On fait quand même quelque chose de à troller. Hop. Tac, on va passer en mode Edge, on va tout merger ensemble, Center, ouf, et on va faire la même chose de l'autre bord, ça va nous donner un magnifique visage harmonieux, avec un regard, avec un magnifique regard. On va repasser en Edge, on va merger tout ça au centre et on va faire la même chose pour la bouche et le nez. Et un petit dernier pour la route. Tac tac, merge center. Hop, on extrude, on scale, on extrude, on scale, on extrude, et on scale, magnifique. Et c'est là que je vais merger au centre, et on va finir avec notre magnifique. Même affaire, clic droit, on va mettre le centre. Ça nous donne on va pouvoir sculpter. Hop, on va aller en mode sculpting. C'est là que je vais débrancher et rebrancher ma tablette parce qu'elle ne fonctionne plus. C'est bon, allez, retour. Donc là, on va faire quelque chose de très simple. On vient assouplir, on vient adoucir tout ça. On s'ajuste avec le globe oculaire, la bouche aussi. Puis on va faire un petit coup sur le nez, je pense en. Hop là. Un petit coup. Je découle. Et
là, on va un minimum lui redonner de la forme. Remesh la face. Commence à être intéressant. Enfin, c'est tout à l'heure, mais je pense qu'un petit peu de SSS là-dedans, ça pourrait faire vraiment le job. Oui, ça fait la job. Ça fait la job. Ok, on a des choses intéressantes, on va retourner là-dedans. Ça n'est pas encore le sujet. Ouh, on va exporter ça, export. OBJ. Oh, on va d'abord supprimer ce poly là. Ça va pas faire, c'est pas grave. Donc, file, export, OBJ. Juste la sélection, on exporte. Là, on va ouvrir rapidement ZBrush, on va juste faire un petit remesh du visage uniquement. Et pour voilà. Mettre une autre playlist. Ouh. Là, on va importer le modèle. On a un modèle pas pété. Oh. Est-ce que c'est nécessaire? Faut faire ça directement là, apporter le modèle. Remesher. File. Hop, on cache ça. File. Import. Le modèle. Le modèle sans visage. On a un magnifique modèle sans visage reméché. On va mettre en place. Un petit peu de cadrage.
va lui donner une petite réputation. Trop en langue. Ouais, voilà. Hop, on veut juste ça de même. Là, on a. On va hop, s'occuper des normales. On va toutes les merger ensemble et on va les mettre en fragile. Voilà, on a quelque chose de très très souple. On va lui attribuer ce matériel parfait. Point 5, 1 CSS. C'est un bon début. Et là, à partir de là, on va passer dans la vue de caméra. Là, on va pouvoir sculpter vraiment les détails, travailler l'éclairage, s'occuper un petit peu de la composition d'image en dessous. S'occuper du template, yes. Bon, on va enlever quelques edges parce que là ça va pas être cool. Hop, dissolve. Bah, ce qui est visible, je vais m'occuper de ce qui est visible parce que le remesh ça fait pas autant les mêmes choses. Oui. Pour avoir un petit peu pacifié, un croisement. On va le delete. On va y aller avec petit. Tac tac, on valide, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est beau. Pour enlever ça, mais on va laisser le même. Est-ce que c'est correct? Pendant que je m'occupe du edge flow, je vous invite à aller faire un tour sur les autres streams. Là on fait de la petite technique, de la petite manutention à la main. Et là on va remettre ça un petit peu plus. On s'en fiche, hein, en vrai ça va pas bouger, mais c'est juste pour que ce soit un minimum correct. Et je sculpte que ça fasse pas n'importe quoi, en fait c'est surtout pour ça que je viens de nettoyer tout ce edge flow. Ça sert à rien. Tac, tac. Ça sert à rien. Bon, on va dire que c'est acceptable.
On n'aura pas d'artefact en tout cas au rendu, c'est déjà ça. Est-ce qu'on voit celui-là? Oui, on le voit. On te voit, tu disparais. Alors ça donne une main. Cool. Parfait. Prendre une petite pause de 5 minutes en allant voir ce que font les autres. Tac. Je vais me déplacer avec Antoine. Non, Norman Brathwaite. Norman Brathwaite. Ah, j'aurais pas dû le dire, j'aurais dû vous laisser le mot de la fin. Allô? Allô? Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Ben, je pédale pas mal, là. Je suis comme waouh, waouh, waouh. Mais, ouais, je comprends. Comment ça va? Ben, ça va tranquillement, là. Ça avance bien. Je suis rendu à une bonne étape. Je fais un petit tour à droite à gauche pour voir un petit peu qu'est-ce que vous faites. Du coup, toi, tu fais quoi ce soir? Ben, moi, je revisitais les étapes pour faire le genre d'animation avec le fort que j'avais envoyé sur Instagram. Ouais. Pour ça que je disais que j'avais incroyablement de stock. Mais bon. C'est plus un truc pédagogique qu'une illustration terminée, hein? Mais non, ben c'est correct, ça va bien. Cool. Ben ça va bien. Tout est en feu, là, mais ouais. Ça va ouais, bien. C'est ça. Ça va bien, on en reparlera une petite heure avant la fin. Ouais, exactement. Cool. Ben écoute, je vais aller voir ce que fait Caroline. Je te laisse, bye bye. Ok, à toutes. Freelance un peu, là. Salut. Hey, salut! Salut, tu fais quoi de beau, toi? Je fais une petite maison de pêcheur. Je vais faire un... avec un petit sol bientôt, là, mais je suis en train de finir ma structure. Ok, parfait. J'essaie de finir ça, puis après ça, starter mon rendu. Là, on arrive pas mal à la mi-temps, je pense. Oui, en effet. Ça avance vite. Ouais, ça avance vite. Fait que c'est ça, j'essaie de finir mon blocking là, pour pouvoir faire un petit rendu puis mettre ça beau en painting après. Ok, nice. Ah, je vois que t'as un standing desk, t'es debout? Ouais, je suis debout. Vraiment très cool. Vraiment très cool. Ça l'aide pas mal. Ouais, ouais. Très très bon investissement. Dans... Ouais. Je suis pas mécontente. Un jour, je ferai ça moi aussi. Ok, ben cool, je repasserai faire un petit tour un petit peu avant la fin pour voir à quel point c'est le feu de tambour. Ça marche. Bye bye. Bye. Et c'est ainsi qu'on arrive chez Joey. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va bien, c'est toi? T'es déjà rendu à l'étape de Photoshop? Non, vraiment pas. Non, ok. Bon, attends, je vais switcher mon... je vais switcher ma vue de... mon Blender. Là, je faisais juste un ajustement sur ma mousse, là, ma texture de mousse au ground, là, sur le ground, là, qui est juste okay. Un pas. C'était pas, il y avait pas assez de résolution. Oh, et ok, je comprends. À augmenter la résolution. Je sais pas si au final ça va vraiment. Ça va donner quelque chose de sharp. Ouais. Parce que là, on voit là, ici le. Tu sais, les edges sont blurry là. Ouais, ouais, c'est un peu blurry. Est-ce que tu utilises. Moi j'utilise un set pour upscale. Un site pour upscale mes images souvent. Puis ça ouh, marche quand même. Ça marche. Vraiment bien. Genre la dernière fois j'avais des textures en 2K, je suis allé sur le site, je les ai droppées dedans, puis elles sont ressorties en 6K, c'était quand même sharp. Puis je sais de quoi tu parles, effectivement ça fonctionne quand même bien. Je m'en sers pas, mais je sais que ça existe, je m'en ai déjà servi ouais. Une fois. Sinon là, ça ressemble à ça pour l'instant, je vais laisser ça loader un petit peu.
Il y a un petit décor dans les bois. Ah. Bon ben. Le. Ouais, là, il faut. Bon, il faut que j'arrange toutes les arbres, que j'arrange mes bouches, puis que je fasse une composition qui a de l'allure, puis après ça, le plus vite possible, aller dans Photoshop. Là. Ouais, pour faire du batching après? Ouais, ouais, parce que t'sais, dans le meilleur des cas, là, il faudrait que je photobash 100% quasiment de mon rendu. Là, mais... Ah oui, ben ça c'est certain que c'est le meilleur des cas. Ouais, c'est ça, là, mais ça sera pas ça. Puis, je vais focusser juste au stock le plus important. Là. Ok. Cool. Bon, ben. On va revenir. Je reviendrai passer. Je reviendrai. Je ferai un petit tour pour voir comment ça avance. Puis, have fun. À tout à l'heure. Bon, à tantôt. Bye bye. Alors, on m'a dit que j'avais un micro un peu faible. Est-ce que ça va mieux maintenant ? Hop. Normalement, c'est censé aller un peu mieux. J'ai rapproché le micro de mon visage, puis j'ai augmenté le volume de celui-ci. Parfait. On va se mettre un best lo-fi chill hop beat. Cool. Parfait. Bon ben, c'est reparti pour nous. On va aller sculpter tout ça. Pour sculpter, on veut surtout pas ça. Pour commencer. On va aller dupliquer d'abord. Ça, on le met out. Body 1. Body 00. Loup. Loup. Je vais appeler ça out, comme ça ne sera pas rendu. Là, je vais faire une copie. J'ai l'impression d'avoir déjà fait, mais c'est pas grave. Là, je vais mettre le meilleur modifier qu'il ne faut généralement pas trop abuser dans la vie. Le subdivision. Là, on a un beau petit faciès effacé. Je pense que je vais juste... On va voir ce que ça donne. Je pense que je vais aller sculpter avec ça. La tête fonctionne, c'est magnifique. Ouais, on va aller sculpter. C'est parti. Un petit 75, tac, 0.3. On va aller creuser un petit peu les joues. Ouh, il y a un lag. Je pense que, ouais. Hop, on va juste apply. Voilà. Parfait. On voit qu'un bord, mais je vais quand même faire l'autre. Dans le cas où j'ai le goût de changer d'angle. Là, je vais peut-être aller rajouter du volume dans les yeux. Intéressant. Hop, mettre ça en 40.
On va pouvoir faire un petit détail ici. Je pense que c'est pas trop dans le champ de la caméra, mais c'est pas grave. On va diminuer l'intensité à 2. Hop, on va augmenter ça à 60. Il me semble que... Ouais, c'est ça. Hop. Magnifique. On a quelque chose d'intéressant pour l'œil. Vu qu'on a uniquement cet angle de vue-là, ça va être amplement suffisant. Je sculpterai l'autre œil si nécessaire plus tard. Un peu de pommettes ici. Je vais aller grossir un petit peu la broche. Je vais aller la mettre à 100. Pour vraiment. Hop, parfait. Là, on va aller creuser la joue. Creuser ici. Et on va faire à peu près le même genre de travail ici. Et le gauche qui va rien, on va y aller un petit peu plus en profondeur dans la bouche. Est-ce qu'on lui ouvre la bouche? Non, on ne lui ouvre pas la bouche. On va aller déplacer ça. Travailler un peu la silhouette. Quand même subtilement, j'aimerais ça éviter d'y aller trop fort, puis de creuser des crevasses dedans. L'idéal, c'est d'être subtil. Tout de même, c'est pas mal. Donner un petit coup dans le nez. Au pire, on va y rajouter des détails dans les mains. Bon, il est trop fort. Hein. Hop. De volume pour l'articulation, un petit creux au milieu. Là, on va rajouter une petite là. Tac. Hop. On vient assouplir, parfait. Un peu de volume ici. Tac. Je vais quand même rester subtil parce que je veux pas qu'il y ait trop de détails dans ma main. Le but c'est vraiment de garder l'attention.
Ça. Ensuite, est-ce que ça, ça a été mis à jour? En vrai, franchement, je pense que on va, c'est trop intense. On va enlever. Se mettre à 0.1 pour être un petit peu plus subtil. Puis, tout doucement, on va venir enlever de la matière. Faire quelque chose de plus subtil. Ça va être au pire pour l'instant. On va s'attarder un petit peu sur l'éclairage, le shader. Je vais fusionner ça parce que on en a plus besoin. Tac tac. Lumière de base, hop hop. Ça, je tout fonctionne, c'est parfait. Magnifique. Pourrait faire là quelque chose de subtil mais intéressant. On va travailler un peu l'éclairage, je pense. Ok, on va travailler la backlight parce que moi la backlight là, ok, je suis tanné. Hop, vite. Elle n'est pas assez forte. Pas assez forte et pas assez en arrière. Finalement, un tac, split. Finalement, on va la reprendre cette vue-là. Là, on va se mettre comme ça. On va aller s'occuper d'un peu de lui. C'est la backlight. Backlight, elle est peut-être pas assez forte. Le presque d'abord l'image. J'aimerais ça avoir aussi un petit peu de détails. De là, fait ce que je vais faire comme ça.
Tac. Ok, là on récupère un petit peu de silhouette dans le cou. C'est cool. Est-ce que c'est assez? Non. Oh. Là, on commence à avoir quelque chose de cool. Peut-être y aller encore plus gros. Donner une petite rotation de même. Et comme ça, on a du gros backlight, la silhouette du coup qui ressort. À l'avant, la lumière, est-ce qu'elle est assez forte? C'est une question, on est chez 350. En fait, je pense que ça serait bien de rajouter un peu de brillance sur cette peau. Moins 75. Enlever un peu de la roughness. Est-ce que c'est trop brillant? Ça l'est. Est-ce que point 8? Est-ce que ça, point 75? C'est un peu trop, point 75. Quoique, voyons voir ce que ça donne à. Allez, point 2. On y va très très fort. On va y aller décrescendo. Point 1, toujours trop fort, point 8, point 0,8, on arrive à quelque chose d'intéressant, ouais, là, il y a trop de matière ici, il va falloir que j'en enlève, je pense que je vais aller à point 5, Point 5, c'est quand même pas pire. On a de l'information dans le nez. La main ressort. Et c'est pas assez de profil en fait. Je pense que je vais faire ça. Donner une petite rotation à notre personnage. Oh oui, ça vient chercher le creux de la joue, la petite fossette des familles. Un peu de... En vrai, normalement, c'est la caméra qu'il faut rapprocher, mais je fais l'inverse. Hop. Donc, il ne regarde pas assez en haut. On va tricher. Hop, là. On va le faire en haut. On a quelque chose d'intéressant. Juste un tout petit peu. Hop. Sans à la main, tout doucement. Je suis dans le bon axe. Petit peu moins.
Oui, mais on va déplacer. On va la déplacer à gauche. Ah, c'est intéressant. Le gizmo. Pas ce que je lui demande. Oh, c'est bizarre. Ça m'a l'air de bugger un peu, on va sauvegarder. Avant qu'un autre accident nous arrive. Bon, on va le déplacer un petit peu par là. C'est vraiment bizarre. Tant que ça fonctionne, on va laisser faire. On va le placer un petit peu à gauche. Non. Pas mal, pas mal. J'aime savoir des beaux chiffres. Et voici. Manque de caméra papier. Shader, bon. Travailler ça un petit peu parce que c'est pas incroyable. Bah, c'est pas incroyable, mais on reste dans quelque chose de vraiment simple et c'est quand même ça que je recherche. L'oreille pro d'informations. On va passer ça à 64. L'oreille récupère plus trop d'infos. Ça doit rajouter de la puissance dans la keylight. On va voir et ça donne un peu plus fort encore. Intéressant. L'ombre ici, quelque chose m'a dit qu'on pourrait arranger ça. On mettrait pas une petite couleur à la backlight, c'est ça la question en fait. Plus petit, mais un petit quelque chose. On va rester dans les froids, dans les trous froids quand même. On est à zéro. Là on a du blanc pur, on va pouvoir travailler pour en différentes. Je pense qu'on peut. Très bien. Fait du bleu. Un plus jaune. Quelque chose d'intéressant. Ouais, on a quelque chose de pas bien. Peut-être travailler juste un petit peu là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va se mettre un petit surf scattering. Ça va sûrement absorber beaucoup de lumière, fait que c'est vraiment pour essayer. Parce que ça risque. Oh. Ah. Pour un on y était. La différence entre les deux, c'est ça, c'est que
il y en a un des deux qui absorbe un peu plus la lumière. Mais ce qu'on pourrait faire même, hein, c'est aller carrément vers la porte. Ouais, partir un petit peu. Ah. Qu'est-ce que ça se met? Qu'est-ce que ça fait si je fais un petit... Non, mauvaise idée. Idée. Ou peut-être... Au moins 0,5. Vraiment dur. Aucune transmission de lumière. Je pense qu'on va encore un petit peu augmenter notre key light. On y va comme des cochons. C'est la backlight. Très bien. Ça vient dessiner là. Tac. Une belle courbe, ça dessine. Pose de plaisir. Effectivement, on a quelque chose quand même de nice, j'ai l'air perso. Y aller avec un petit point 8 qui sont juste un petit peu pour soi, un petit peu moins shiny. Hop, hop, ça c'est bien trop. Point 75, je trouve que ça donne quelque chose d'intéressant. Donc, on va s'essayer un point 6, point 6 avec un peu plus de roughness. Pour diffuser un peu les zones où la lumière catch le plus. Si ça nous fait un petit signe. Celle-là. Est-ce que en déplaçant la key light, je pourrais récupérer une meilleure ombre ici peut-être? Je pense que pour l'ombre, on ne va pas faire grand chose. Hein. Il vient de blaster dans ce sens-là. Est-ce que je rajoute des textures dedans? Voilà, on peut passer. Hop, on va chercher. Une texture, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Huc. Chill, genre du Fortnite. On vient mapper sur le modèle. Quoi pour brancher ça? On va le brancher au roughness juste pour voir ce que ça peut donner. On va essayer de tester. Et parmi les tests, je vais déplacer un peu. Voilà.
on va rajouter un peu de bricquet. On s'enlève une partie. Je pense que je vais garder vraiment basic. Symbol. Un matériel, un objet, trois lumières. On y va simple. On pourrait par exemple cacher le fond. Mettre le fond d'une autre couleur que noir. Une couleur. Où je mets Darklane. On fera ça sur le fond. On est pas là. Je pense qu'on pourrait faire un petit test de rendu. Ou on pourrait sculpter un petit peu plus. Allez. Sculpter un peu tout ça là. On va mettre un peu de détails. On prend un peu de poche. On a 5. Quand c'est bien. Quelque chose de subtil mais de présent. Tac, un peu d'épais sur les bords. Éviter de ne pas en mettre trop. On va peut-être faire des petits vaisseaux sanguins. C'est de résolution sur le modèle. Est-ce qu'on se gâte et qu'on en rajoute un? On laisse. On applique ça. Parfait, on a largement assez. Tac, là on va faire 0.3. Regardez ma main, ça va être plus simple. Est-ce que ça... ça catch un peu d'infos. Tu sais comment ce que je veux. Vraiment garder ça le plus soft possible. Enfin, je viens rajouter de l'info, mais pas trop. Je pense qu'on pourrait peut-être faire ressortir un peu plus une côte. Tac. Ressortir. Tac, 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 tac.
pas ressortir un peu la clavicule. Qui est un broche un peu gros. Sortir tout du long. En vrai, une clavicule, normalement, c'est pas tout droit là, c'est une courbe, mais on va faire comme si. En plus, elle est pas droite. Mauvais. Détail. En fait, on va juste faire des contrôles S, contrôle Z. Voilà. On va se faire un petit rendu. Un petit rendu, on va y aller, on va se gâter. Composing. Hop là. On va faire le rendu dans le dossier. C'est bon. On va sauvegarder. Juste pour le test, on va se faire un rendu. 50%, ça va être rapide, sans faire de maps supplémentaires. On ne veut qu'une frame, on va être sûr. On fait un petit contrôle S, on start un petit rendu. Et pendant que je start le rendu, je vais ajouter un peu de lumière à cette pièce. Ouh! Parfait. Cool. On a les petits détails des vaisseaux sanguins. On a quelque chose de loin qui est intéressant. Ça brille, c'est cool. J'aime juste pas trop ça, mais ça je peux l'enlever sur Photoshop. Qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait travailler? On va clairement travailler des endroits, mais on n'est pas pire. Je pense que je vais peut-être enlever ça, puis mettre un petit peu plus ici. Ok, bon. On va se faire un rendu à 100%. On va lui dire sans nous des maps en plus. On fait un petit contrôle S, on re-rend. Et pendant que le rendu se fait, on va aller voir que font nos chers amis. Et ça avance. C'est pas mal du tout. J'ai hâte de voir le résultat. Ah, je vois que Caroline, elle est aussi en mode rendu, puis que ça a l'air de couper son live, son rendu. Mais c'est pas grave. Ça fait tout le temps ça, quand on rend. C'est ça la magie de la 3D. Hop, ça sort. Bon, alors. Peut-être que je devrais augmenter un peu le sampling. Je vais augmenter un petit détail. Je
Je vais augmenter. On va augmenter le temps de rendu aussi, mais c'est pas grave. Tineuse, on va faire ça. Un petit 128. Cool. Après, c'est des détails que je pourrais enlever sur Photoshop, mais bon, si on peut s'éviter un petit peu de photoshopage par des petits détails comme ça. Je pense que dans les performances aussi, 128, c'est pas pire. Ouais, c'est parti. En tout cas, on va avoir du noise de subscatter. C'est le noise de subscatter, là, les petits points qui vont apparaître sur la... C'est parce qu'il n'y a pas assez de sampling et pas assez de réglage. Mais ces petits points-là, c'est les rayons, en fait, les rayons qui pénètrent à l'intérieur du modèle. Il y en a juste une partie qui ressort. Puis ça fait ça forme des petits points comme ça. Ça peut être cool hein, parce que ça donne une petite texture sans le vouloir. Mais normalement, quand on travaille bien son subscatter, on est censé avoir quelque chose de vraiment lisse. Un peu comme ici. Là, je pense qu'on a, ce genre de détail là. Parce qu'on a une backlight en fait qui est vraiment forte. Et la backlight qui est vraiment forte vient rajouter de l'information en fait. Dans ce genre d'endroit-là, qu'on normalement devrait ne pas avoir, mais c'est pas très grave pour cette fois-ci. On va vivre avec ça sur ce rendu. Les couleurs sont cool. Ben, la couleur en fait principale, le modèle est blanc, la texture est blanche, il n'y a que une lumière bleue en fait qui vient créer la couleur. Et le rose est créé par mon matériel en fait, qui vient interpréter la pénétration de la lumière dans la peau et en renvoyer une partie dans les zones les plus fines pour donner l'illusion d'une peau vivante en fait, une peau qui possède des couches, et ça c'est vraiment pas génial, qui possède des couches et donc c'est comme refléter une fausse circulation sanguine à travers la peau. Mais ouais, ça c'est vraiment, vraiment pas incroyable, mais on va pouvoir photoshopper ça là. Je vais comme prendre des couleurs par ici, puis je vais fader ça un petit peu. Peut-être que mon subscatter est trop fort, ou ma lumière est trop forte aussi. Ça vient créer une délimitation, vu que la lumière est vraiment de profil par rapport à ici, qu'elle arrive comme ça là, clac, elle frappe, et vu que la lumière... ici, elle s'arrête vraiment ici. Tout ce qu'on voit là, c'est la lumière qui pénètre ici dans la peau et qui ressort par ici, qui nous atterrit, qui atterrit dans l'œil de la caméra. Mais bon, on va fader ça sur Photoshop. Ça devrait être pas pire. Ouh, bon, on va laisser ça se finir tranquillement. Peut-être que j'aurais dû mettre des détails. Peut-être que là, du coup, il y a trop de détails dans la main comparé au reste. Mais vu que c'est subtil, je pourrais en effacer une partie sur Photoshop. Cool. Allons voir nos amis. Caroline est en... petite pause. Je vais d'ailleurs en profiter pour aller me chercher un petit verre d'eau pour me désaltérer. Je vous laisse avec le rendu qui tourne. Je suis de retour dans quelques secondes. A tout de suite. Salut Lauriane, je reviens dans quelques secondes.
Et me voilà de retour. Est-ce qu'il fait chaud? Il fait chaud, c'est le début d'été, enfin. Ça fait bien. Parfait, bah écoutez, on a un rendu qui est fini, une composition qui est pas pire. J'apprécie, alors moi j'avais vraiment, dans la composition de l'image, je l'ai pas dit, mais je voulais vraiment comme... À cause de plein d'affaires, je voulais pas trop que le début du titan apparaisse, qu'il soit trop apparent pour pas... Parce que malheureusement dans la société actuelle, dès qu'il y a ça, c'est sexualisé, fait que je voulais pas sexualiser ma scène, mais je voulais quand même apporter de la finesse, en fait, la finesse du corps humain, puis juste les détails basiques du corps à mon personnage pour lui donner un petit peu plus de douceur, en fait, en plus de la pose, de l'apparence, etc. Cet aspect vraiment naturel, je voulais vraiment le faire ressortir par faire apparaître un petit bout de téton. On va ouvrir un petit Photoshop, on va aller chercher les fichiers, ça fait du bien d'être hydraté. Ouh, j'ai oublié de réactiver ma caméra. Et nous revoilà. Hop là, on va aller chercher le rendu. Parfait, le rendu est là. Je pense même qu'on pourrait rajouter un autre type de rendu parce que là-dedans, en fait, dans le rendu, en mode cycle, on a ces maps-là qui viennent nous donner petits détails en plus. Mais ce que j'aimerais avoir est une map que j'aime vraiment beaucoup en général. C'est dans Eevee. Coucou, comment tu vas? Bienvenue sur mon live. Est-ce que tu as fait un petit tour sur les autres? Voir ce que font les autres artistes. Hop, on va faire un petit rendu. Non, j'ai pas encore regardé Love, Death and Robot. Je dois vraiment le faire, mais ces derniers jours, j'étais un petit peu... occupé, fait que j'ai pas pu me lancer là-dedans, mais il me tarde de le faire. Ouais, j'imagine que c'est fou, c'est toujours fou le Love, Death and Robot, surtout visuellement là, chaque épisode, à chaque fois ça vend du rêve. Fait que avec ce rendu là, on va pouvoir récupérer de nouvelles informations, et celle que j'aime particulièrement, c'est celle-ci. La glow, le blooming. Hop. C'est là que je me rends compte que j'ai fait un rendu avec le fond. Bon, c'est pas grave, on va utiliser ça pour créer un masque. Hop, on copie toutes les infos et on les met dans ce channel là. On inverte, on désélectionne, fiche, lâche pas avec une ligne. Incroyable, je suis encore en train de découvrir la magie de Nvidia Broadcast et la suppression du bruit ambiant. Alors je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais moi il y a une grosse moto là, une Harley qui vient de passer. Puis sur ma table de mixage, ça me dit que ça n'a pas fait de bruit. C'est à vous de me dire si ça fonctionne.
Je pense que Love, Death and Robots, je vais regarder ça sûrement ce soir ou demain. À peine, cool. Layer, layer, tac. Pareil, quelque chose de noir pour l'instant. Fait qu'on récupère le noir, mais là on a le contrôle là-dessus. C'est ça qui va être intéressant. On va venir ramener 2-3 maps par-dessus. On veut ça. Je veux ça, parce que je suis amoureux du Bloom. Et pourquoi pas? Peut-être qu'on peut faire quelque chose avec cette version-là. Tac, hop là. Hop. Juste avec un screen, voilà. C'est ça que j'aime dans le Bloom. Regardez-moi ça. Oh, oh, c'est incroyable. J'aime vraiment beaucoup ça. Et avec le level, on va venir un petit peu grader tout ça. Ah, trop de lumière. Juste assez. En normal, et c'est ça qu'on a en screen. Ah, quelque chose d'intéressant. Ça fait quoi si je mets ça en blanc? C'est mieux de mettre. Et là, on va aller faire des tests. Alors ça, je le mets tout au-dessus parce que c'est le bloom. Et on va aller faire des tests avec ce qu'on a. Celle-là est sharp, hein. Celle-là un petit peu plus subtil, hein. Ça peut faire des choses intéressantes. Ça dégage. On va grader un petit peu celle-là. Pas trop cramé. Cool, on va pouvoir aller painter ça. Hop, voilà, on supprime le fond. On va pouvoir s'occuper des détails. Un peu disparaître l'oreille. Censé catcher la lumière surtout à l'intérieur ici. Hop, on va diffuser un peu l'oreille comme ça. C'est pas incroyable qu'on ait un catch de light là. Je suis vraiment pas fan de ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller piquer une valeur ici. Puis tout doucement, je vais mettre à 10%. On va travailler sur une copie, peut-être tout casser. Cette copie-là va aller painter cette zone pour enlever un peu de lumière. C'est à ce moment-là que je vais faire ça. Thank you.
Ouais, là c'est mieux. Plus subtil, mais il y a un petit halo de lumière sur l'oreille. Et je pense que ça aussi, je vais l'enlever. L'enlever avec une bouche plus soft. Le veut bien, mais vraiment subtil au possible. Parfait. L'oreille est un peu plus fondue dans le corps. Même catcher un bouncing de light qui vient de là, du DCSS. Mais ça, ça catch encore un peu trop l'œil. Y aller grossièrement. Hop. C'est rendu sur Photoshop. Ça moi j'en étais là enlever des détails dans l'oreille. Grosse brush. Parfait. Hop. Je pense que utile de même. Enlever des petits détails. Comme ça, l'oreille aussi est un peu plus fondue dans le visage, comme le comme l'avant. Là. D'ailleurs, en parlant d'avant, ce truc-là, là, c'est pas amoureux de ça. Je pense que Alain va y aller subtilement. On va recréer un peu de subscatter. On va prendre cette valeur-là. On vient effacer un peu. Ah, ok, on va peindre ça proprement, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Exprimez-vous. Là, c'est un peu plus. Petit détail des familles. Je remonte un peu le subscatter. Grossir un peu la broche. On va en mettre un peu plus par là. Subtilement. Non, je pense que cette valeur-là est belle. Peut-être ça a une valeur un peu. Rajouter un peu de rouge ici. Creuser davantage. Et en même temps, j'en ai promis. Yeah! On a quelque chose de nice! Je suis content. On approche d'un résultat plutôt bien. Et ce genre de détails-là, bon. On va vivre avec. Si ça. Là, ça peut être intéressant de diminuer un petit peu l'intensité de ça.
va faire ça comme ça plutôt. On va travailler encore sur une copie. On a la valeur qui est juste à côté, puis on va l'étendre. Ça, on recrée. Là, alors là, avec le subscatter, on se ramasse avec vraiment beaucoup de valeurs vraiment subtiles. C'est là qu'il faut faire attention parce qu'en vraiment deux coups de brush, je peux arriver dans une zone qui fait que ça donne l'illusion qu'il y a plein de petites bosses. Voilà, deux petits coups de brush que j'ai mis en plus, c'était de trop. On va déstructurer tout ça pour redonner avant, oula, avant, après, avant, après. Prenez pas, il y a l'éclairage nocturne de mon ordinateur qui s'est activé tout seul. Fait que là, on voit au début le fait d'avoir retiré de la lumière et des détails dans les oreilles, c'est, ça a donné quelque chose de plutôt cool. Je pense que au niveau des yeux, c'était clairement une bonne chose à faire. Comme ça, catchait bien trop le regard. Et là, je suis un peu. Parce que du coup, la ligne là, elle est plus intéressante. Peut-être je pourrais rallonger un peu. Diffuser, genre, tac, comme ça. On a un blanc vraiment plus. C'est subtil, là. Est-ce que c'est subtil? Voilà, c'est vraiment de la vie. Que j'ai remis exactement comme c'était au début. Non, ça va. Mais du coup... En fait, je pense que c'était bien. Je gosse, mais je suis pas sûr. Oh, non, 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 c'est bien. C'est, en tout cas, c'est mieux que ce que j'ai fait. Fait qu'on va oublier ça. Ouf, poubelle. Ensuite, on descend. On avait ce détail-là. Là, on n'est pas pire. On a du gros SSS ici, mais bon. On va passer outre pour cette fois. Ici, là, on a clairement des photons qui sont venus frapper, qui sortent de nulle part. On va les effacer. Parce que ça, c'est pas très beau. On veut pas. On peut utiliser ce projet. Oups là. Un petit brush à 60, délicatement on vient peindre des petites valeurs, des toutes petites valeurs, juste pour la forme. Grossir un peu la brush. Pour utiliser le clone tool, mais j'ai pas envie. Comme un artefact là, une ligne. Pourquoi? Attends. Du coup, moi à la place du ligne, j'ai créé un gros pâté, je suis sûr. Oui, exactement. Et ce qu'il faut pas faire, on va revenir en arrière un peu plus vite.
Ça, c'est le piège. Quand on paint un peu trop près, on se rend pas compte des dégâts qu'on fait une fois à distance. Ça peut arriver très très vite. Alors là, par exemple, je viens d'en faire. Et on va venir leurrer un peu ça. Voilà, là on se ramasse avec des détails plus intéressants que ce qu'il y avait. Bon, c'est encore un peu clair ici, j'aimerais ça mettre un peu plus de rose, mais non. On va continuer de même. Là on est vraiment dans le travail du détail. Bon après, on patch. On va le patcher de même. Non, on va pas patcher de même. C'est pas une bonne idée. On va aller prendre un peu de valeur de même. Et on va aller painter tout doucement. Est-ce que c'était une bonne idée? Le papier. On va dire que c'est une bonne idée. N'importe quoi, j'ai beaucoup trop fort. Voilà, quelque chose d'un petit peu mieux de même. On voit des petits coups de brush, mais bon. On va les accepter et vivre avec, on pourrait dire. Tilement. Ouais, donner un petit coup. Broche est bien trop forte encore. Mettre à 2%. On se ramasse avec quelque chose de pas mal. Ben oui. Est-ce que le highlight sur la main... Ouais, on va le laisser, le highlight. Petit vaisseau sanguin, ça passe, le visage est intéressant, l'oreille est pas trop présente. Est-ce qu'on fait un petit quelque chose dans le fond? Alors déjà, on va peut-être sauvegarder, hein, pour éviter de faire la même bêtise que tout à l'heure. On a un beau fichier, magnifique. Oups, un peu plus de lumière. Cool. Ben, faisons quelque chose dans le fond. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait même... Tac, tac. Qu'est-ce que ça fait si on met un petit... Si on remet ça. C'est intense quand même. C'est comme ça. Plus. Ensuite, si on mettait un petit hue saturation, est-ce que ça donne quelque chose d'intéressant avec d'autres couleurs?
T'as raison. J'aime bien ça. Moins 12. Un petit chiffre rond, moins 10. Peut-être même moins 7, un peu plus subtil. Encore plus subtil. Je pense que je préfère de même. C'est plus froid. On ressent un petit peu plus. Un petit peu plus la dureté de cette situation. Ouais, définitivement. Prendre ça plus bleu. Oh. Encore. Prendre ça plus subtil. On est vraiment dans le grading. Ouais, c'est ça. Hein. Allez, on se fait un petit plaisir. On va tester un petit gradient. Un petit gradient. Testons des couleurs flyées. Sur un nouveau calque. Tac. Et donc ce point. Un petit coup de brush sans faire exprès. Ici aussi, on dirait. Ici aussi. Ah non. Je pense que de base, je vais rester sur un fond quand même. Relativement basic. Là, je mets un gradient circulaire. Et vu qu'il est dans ce sens-là, il est derrière le personnage, fait que ça passe inaperçu. On va en tester 2-3 pour la forme. On met la tête comme centre. Ou on met le cœur comme centre. Être intéressant. Qu'est-ce que ça pourrait faire avec les... Oui, c'est exactement celui que j'ai. Mais quand même, celui-là. Mes yeux brûlent. Mais bon, on fait des essais. On fait des essais pour le fun. Ça, ça pourrait être intéressant quand même. Oh. Est-ce qu'on ferait pas un gradient nous-mêmes? Choisir une petite couleur. Si. Jaune orangé ou un petit rose. On va tester avec ça. On va voir ce que ça donne. C'est moche. C'est une mauvaise idée. Peut-être que. Beurre. Thank you.
On va voir qu'est-ce que ça peut donner en mettant des petites variations là-dedans. Ben franchement, c'est pas bien. Peut-être qu'elle est un peu plus fort. On va mettre un petit U. Très subtil. Non, non. Je pense que rester dans le même... Bien ça, moi. Est-ce que c'est une bonne idée de mettre... Tiens, dites-moi, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de mettre un fond coloré? Les sauts de teinte, ça va pas. Le bleu, c'est trop bleu. Ça, c'est un peu chaud. Peut-être rendre ça plus subtil. Bon layer. Comme ça. Ouf! Ok, on a quelque chose. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut savoir dire ok. En plus, il est déjà 20h42. On arrive proche de la fin. Ouais, bon, quelque chose de subtil, c'est cool. Ça vient habiller un petit peu plus le fond. Nice. Bon, ben, allons voir qu'est-ce qu'on fait les autres. C'est en train de faire du Photoshop partout. Est-ce que je m'en vais les distraire ? Bah, j'ai deux blenders d'ouvert. Est-ce que je m'en vais les distraire ? Donc je vais quand même faire un tac. On va faire un JPEG de ça. Je pense qu'on va rester sans. On est en 16 bits, c'est peut-être un petit peu intense. Du poids pour rien. On va sauvegarder ça en JPEG. Enregistrer. Du 16 bits. C'est cool, mais là, c'est un peu useless. Qu'est-ce que ça donne en CMJN? Bon, ok. Pour le printer, il va falloir que je fasse du travail de grading. Nice! Bon. Ben, moi, je pense qu'on est pas mal arrivé au bout, là. Je m'en vais rejoindre les autres. Pouf pouf. On va afficher le site web. Ouais ouais ouais. Ils sont tous pas mal proches de la fin. Allez, on va faire ça par ordre alphabétique, on va les déranger, Antoine. Laissez un peu le son, sinon ça va sauter. Et... nous voici avec Antoine. TG. Coucou. Hey Fabien. Comment ça va? On a petit terminé là. On est proche là, un petit quart d'heure de plus. Ah ouais, un petit quart d'heure. Non, ben essentiellement mon truc est terminé là. Bon, naturellement, pas le résultat que je m'attendais, mais c'est correct, je l'accepte. C'est correct. Il faut...
Est-ce que tu t'en es sorti? Moi, j'ai pas vu le stream de personne. Là, ah, moi, je vais faire 2-3 petits tours là, de temps en temps, je regardais, je revenais sur la page État d'Art, puis je regardais un petit peu où tout le monde en était, par curiosité. Alright. Moi, je close ça, puis moi, tout, je vais faire. Je vais aller voir. Je vais aller voir les gens. Nice. Est-ce que tu veux. Dis-moi quand t'as fini, quand tu penses avoir fini très très prochainement. Ouais, très très prochainement, je close ça, puis c'est tout. Ok, bon, on va aller voir quelqu'un, on va aller voir Joey ou Caroline en même temps. On va leur mettre la pression. Ouais, ok. Ouais, c'est bon. Fait que ça, c'est tout. Ça, c'est tout. On va sauvegarder ça de même. Fait que voilà, on va dire que ça donne ça. On va dire que ça donne ça. On va dire que ça donne ça, ça va être correct. Finalement, naturellement, hey, je voulais avoir une animation, mais c'est impossible d'avoir une animation. Là. Non, c'est impossible de faire une animation en 3 heures comme ça. Fait que voilà, on a fait, je me suis fait juste un still, puis voilà. Paint over la totale, puis what's up. Nice. Cool. Bravo, right. Bravo. On va pouvoir, tu veux qu'on aille voir qui en premier, Joe ou Carlan? On peut aller voir Joey. Allez. On va aller voir mon pote, Joey. Hop, je passe Joey en plein écran et je ramène Joey avec nous dans la conversation. C'est... Ok, tu le ramènes ici? Ouais, je le ramène ici. Okay. C'est plus simple. Et c'est parti. Coucou. Hey. Hey, Joey! Oh, shit. tout le monde est là? On vient de voir, on vient de voir. Ouais, on faisait juste regarder, là. Observe, travaille. Je peux vous dire quelque chose pour que vous riez de moi. Je sais pas comment genre, faire... genre, je voulais avoir un alpha avec mon background, genre... Mm-hmm. Pas juste avoir une beauty... c'est juste flat comme ça, mais je savais pas comment. Fait que... Tu voulais faire un alpha de quoi exactement? Ok, ben check, là, je vais mettre mon mettre Blender là. En fait, toi, tu pourrais m'expliquer comment. Okay, ben, si tu, dépendamment de ton besoin en tout cas, tu veux une alpha pour avoir un fond. Je veux pas le fond en fait. Okay. J'aimerais ça que j'aimerais faire un rendu genre de ça rapide. Ouais. Pour avoir un alpha juste qui détache les assets du background. Ok, clique sur film dans, à droite là, dans tous tes onglets. T'as Ambient Occlusion, Bloom, Depth of Field, tu descends à film, tu ouvres un entier dans les. Voilà. Dans film, tu ouvres ça et tu mets transparent. Fait que si t'as une image de fond, yep. Elle s'affichera pas à ton rendu. Et puis là, mettons, si je veux un rendu, genre j'ai pas tout ce que je veux, là, c'est genre l'alpha. Fait que ça me tente pas d'attendre genre 10 minutes pour un rendu. Hein. Ce serait quoi, genre la façon la plus rapide? Tu rends avec un sampling vraiment très bas. Genre là, t'as 64, tu pourrais mettre à 2 ou 1. Si tu veux vraiment juste avoir l'alpha, en vrai, t'as pas besoin de calculer tout ça. Aussi, est-ce que t'as paramétré des. Là, ouais, mets le sampling de render à 1 pour voir. Ou 2, qu'importe. Aussi, est-ce que dans tes render outputs, est-ce que t'as mis d'autres maps? C'est des passes, c'est ça? Est-ce que t'as mis d'autres passes? Non, c'est ça, je me souvenais plus comment faire. Là. Ça ne me tentait pas genre d'essayer de trouver comment. Là. Ok, bah là, normalement, si tu fais F12, juste en étant sur EV à 1... Sans le fond, ça devrait être quand même beaucoup plus rapide. Qu'en penses-tu, Antoine? Ouais, ouais, exactement. À date. À date, ça va pas. C'est pas mal ce que je fais aussi. F12, ça fait un rendu. Ok. Ouais, F12. Ouais. Ok, je pense que ça va prendre comme une minute ou deux. Là. Ouais, je reviens dans. C'est un instant. Ouais, vas-y. Comment ça va de votre côté? Ben moi, ça y est, c'est fait. Oh my god. Antoine aussi, il est arrivé à la fin. Je commence Photoshop.
C'est correct, t'as le temps en masse. En vrai, il reste une bonne demi-heure. Faudrait un peu plus que ça, mais ça va être correct. Ce qu'on fait, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que si tout le monde est quand même relativement proche de la fin, on va pouvoir se montrer nos affaires. Puis si tu voudras donner une petite passe d'amour en plus, un petit 30 minutes d'amour, disons, en plus de ton bord, tu pourras toujours rajouter une petite couche après. Ouais, ça serait cool. Va voir Caroline aussi, elle est dans Photoshop. Oh, ça a marché, grand Dieu. Ça a marché, cool. Est-ce que t'as ce que tu désires? Ouais. Cool. Ça va m'aider. Avec ma lettre. Je vois pas ton rendu apparaître à l'écran. Est-ce que c'est normal? Ouais, je sais pas pourquoi que ça le monte pas dans mon live stream, là, mais je vais l'amener dans ma scène, là, le rendu. Nice. T'en es-tu sorti, Joey? Ouais. Ah, yes. Oh, yeah! Comment t'as trouvé ça, Joey? Overall? J'ai l'impression de juste l'avoir commencé, là. C'est ridicule. C'est ça. Non, c'est cool. On a l'impression d'avoir commencé. Ah, mais j'avais tellement de stock à faire à soir que, bon, naturellement, ça a tout pris le bord, là. Puis j'ai coupé plein de coins ronds. C'était le fun. Au final, c'était cool. Ouais, il faut apprendre à couper les coins ronds quand on fait un live de 3 heures. Oh oui. Faut accepter de pas mettre des affaires, puis juste de gommer. Mais c'est moi qui ai décidé de faire de quoi que je savais que c'était comme un challenge de faire ça. Bah ça c'est correct. Oh, ouais. Voilà, Chris, le premier live, je m'étais mis un peu du challenge, puis j'ai pas mal rushé tout le long. ouais, ça te plaît. Ouais, mais la prochaine fois aussi, là, je vais avoir un truc vraiment plus simple. Caroline, on n'a pas une nouvelle d'elle? Ouais, ben regarde, on pourrait aller voir Caroline. Je vais déplacer Caroline avec nous. On va être tous ensemble. Wow. Compétence que tu es capable d'avoir, je suppose, là, mais oui, c'est pas un mauvais choix, Blender. Merci. Coucou. C'est pas un mauvais choix, Blender. Bien sûr que non. Non, c'est jamais un mauvais très choix. Très bon choix, là. C'est genre le meilleur choix. Moi, c'est pas le best. Bon, Caroline, t'en es où? Ouais. Ça avance. J'ai eu des petits problèmes de lighting, mais. Ah, ouais. Ça y va. Tout à l'heure, au début du live, genre, j'étais rendu. J'avais mon modèle, j'étais en train de commencer à éclairer et tout. Je copie une lumière, Blender qui crash, j'avais rien sauvegardé évidemment. Ah oh, ouais. Mm-hmm. Véritable plaisir. Ouais, tu devais être content. Ouais.
Ben ça va, c'était encore le début là, c'était genre les 15 premières minutes, fait que ça a été rapide à rattraper. Oui. Mais ça passe vite, là, 3 heures, là. Je me rends compte que, mettons, que je n'étais pas trop préparée. Finalement! Ça passe vite. Ouais, ben, ouais, tu sais, genre, samedi, genre, j'ai juste fait ça, puis même à ça, genre, c'est... J'ai tellement pas fait grand-chose, là, de mon bord, là. J'avais comme une petite boîte, là, puis un plein d'eau. C'était pas mal ça. Mm. Ouais, moi aussi, j'ai épuré ça. J'ai juste fait un personnage. Rien d'autre. Un personnage, yes. 3 lumières, c'est tout. Alors moi, quand c'est simple. Ah ouais, ça, c'est certain. J'ai pas eu besoin de me focaliser sur 1000 affaires. Alors, en tout cas, mais c'est une belle expérience, par exemple. Ouais, ouais. C'est, je trouve ça le fun aussi. Mais toi, Joey, là, tu étais dans Blender. Tu t'es-tu rendu finalement à faire genre du paint over pis tout? Ouais, je suis en train de faire ça, là. Ouais, je crois qu'il est en train de commencer. En plus, t'avais quand même fait pas mal de recherches, Joey, en plus. Ah, ok, ouais, là, je te vois, ouais. Ouais, ouais, mais sa scène est dense. Il a l'air d'avoir quand même pas mal. Ouais. Ouais, c'est clair que le rendu, ça devait. Ça a dû comme. Ça a dû avoir une longue pause, mettons. T'es rendu à combien, Joey, tu penses, en pourcentage sur le artwork au complet, là? C'est une question. Je dirais que je pourrais plancher ça en 3 heures. En 3 heures, ouais. Encore? Un autre encore 3 heures. 3 heures. Ouais. Encore un autre 3 heures qu'il faudrait. Ouais, ben c'est je dirais dans 1 heure, si je vois de quoi de potable. Je crois que j'ai mon son qui est... Je crois qu'on... Non, c'est parfait. T'es toujours live? Ouais. Ouais, je suis là. J'avais un petit souci de son, mais tout va bien. Je suis en train de regarder. Ouais, dans le fond, on a commencé à quoi? À 6h20 déjà? Ouais, on a commencé à 6h20 exactement. Ok. 6h15. Ben, l'événement a du coup commencé à 6h20, mais vous avez été lancé à, disons, 6h15. Environ. Mm-hmm. Fait que, ouais, quand même, hein, 3 heures, en 3 heures, on en fait des choses, ça passe vite. Ça ouais. Passe vraiment freaking vite. C'est comme quand j'ai passé l'entrevue avec Radio-Canada et que je lui ai dit que ça durait 3 heures, elle était comme, oh, c'est long 3 heures. J'étais comme, non, 3 heures, c'est très court quand on fait de la 3D. Ouais, c'est très même court. Pas assez, je dirais. Ah, ça passe, en tout cas. On passe terriblement vite parce que naturellement ça se passe pas comme t'as prévu. Oh, ouais. Pourquoi ça marche pas? Ouais. Ouais, c'est ça. Justement, genre, tantôt je starte mon rendu, puis je suis comme, ah, je vais prendre une petite pause, tu sais. Puis finalement, j'avais comme un gros fuck de lumière, fait que là, je reviens, je suis comme, cool. Bon. Rectification. On trouve une autre solution. Arrive. Ah, ben ça va. Ouais. Moi, je joue une petite. C'est tout le temps sans live aussi. Il y a toujours une petite retouche à faire. Ah, faut que j'arrive. C'est sûr qu'il y a tout le temps une petite retouche à faire. Mais moi, je vais le regarder demain puis je vais être vraiment insatisfaite, c'est sûr. Ouais, mais il faut accepter et vivre avec. Ouais, c'est ça. Je vais peut-être y retoucher un jour pour le plaisir. Mais... Il va avoir sa vie, son petit moment de gloire. Ah, Chris, je suis en train de peindre avec ma souris comme un idiot alors que j'ai un stylet dans la main. Ouais, ça m'est arrivé quelques fois aussi. Clic, 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 clic.
Je fais quasiment tout avec ma souris. Hein. Tout dans ça, la job. Je texture avec ma souris pendant des heures. Puis quand je commence à avoir mal au doigt, je me rends compte que j'ai le stylet à 2 cm de moi. Texture avec ta souris. Et des fois, genre, je fais clic-clic pendant des heures. Genre, je fais mes affaires, mes projections, je fais tout. Puis au bout d'un moment, ben, je suis comme. Ça irait quand même plus vite si j'avais mon stylet dans la main. Eh ouais! Bam! Et voilà. Avez-vous eu quand même un peu de participation à un vote stream? Petite question des. Ouais. C'est fun. T'en as eu beaucoup, toi? Ouais, quand même un peu. Ça a bien été. Ben, pas énormément, mais un petit peu. Ouais, ben, ça, c'est normal. Assez pour que je jase un peu quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, pareil. Ben, je continue pareil un petit peu, là, tant qu'à ça. Moi aussi, à chaque fois que je rouvre mon Photoshop, je suis comme, ah, un petit coup de broche là, un petit coup de broche là. Ouais, la claque. Bien évidemment, hein, je le répète, hein, vu qu'on a commencé avec un petit 15-20 minutes de retard, nous allons terminer cet événement avec 15-20 minutes de retard. Yes. C'est cool, là, tu vois, j'ai des viewers, ils me disent qu'ils ont tous les Twitch d'allumés, genre, tu sais, les gens, ils sont sur le site, ils font play sur tout, ils mettent le son d'une personne, puis là, vu qu'on est tous ensemble, du coup, ils ont juste besoin d'activer le son d'un live, puis ils nous entendent tous. Oui, c'est cool. Mais c'est ça que je fais aussi, moi aussi, quand je passe et que je fais un petit tour pour regarder où en est un petit peu tout le monde, j'ai play partout, puis je vous regarde faire. J'aime, c'est cool. J'ai jamais utilisé des broches d'herbe et de gazon comme ça. Genre, tu me fais découvrir l'utilisation d'une broche. Ah ouais, les broches d'herbe. Oh oui. À chaque fois, j'ai ça dans les mains, je suis comme, mais qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai jamais réussi à utiliser ça de ma vie. Ouais, je me dis, c'est quand même souvent. Mais je m'en fais des costumes des fois aussi. Ouais, ouais. Ben après, je suis pas un concept artiste, fait que. Ouais, t'as peut-être moins besoin souvent de l'utiliser que moi. Ouais, c'est ça. Je passe ma vie dans des nodes et à faire des projections et à faire des gradings. Mais à ça, j'en fais quand même gros de projections. Pour moi, vu que j'utilise plus Blender dans ce que je fais, j'utilise quand même beaucoup de photoprojections, mettons, direct dans Blender. Hein. Mm-hmm. Je trouve que c'est quand même vraiment pratique. C'est comme faire du photobash, mais en 3D. Ouais, c'est vraiment nice. Mais c'est pas pareil que ce que toi, tu dois faire, mais... J'imagine. Mais c'est le fun pareil! Ouais, tant qu'on a du plaisir, c'est ça qui est cool. Apparemment, on n'écoute pas bien dans les cours parce que Max, il nous a enseigné à utiliser les broches de gazon. Ouais, non, ouais, c'est vrai, il nous a montré. Je me souviens, on avait fait un exercice ensemble. Il avait pris des photos en arrière de ma tante à Saint-Luc. C'était ça? Il y avait des. On avait photo bâché ensemble. On avait fait une vieille usine, me semble, dans un champ. Est-ce que j'ai fait ça, moi? Ouais. Je me souviens qu'on avait fait ça. Il me semble qu'il nous avait passé un genre de gros kit de photobash de photos qu'il avait pris, puis il fallait qu'on fasse une sorte de matte painting ou un truc. Une affaire de même, ouais. Yeah. Et, entre autres, il nous avait montré la broche de gazon. Je me souviens de ça. T'as des meilleurs souvenirs que moi. Attends, je vais aller regarder dans mes dossiers. Je les ai. J'ai encore toutes mes affaires du cégep. Encore toutes tes choses du cégep. Oui, j'ai rien supprimé. Oui, tout est rangé, classé par année, par session, par... Ah bah c'est classé loin, là. Je pense que ça existe encore, mais genre sur un hard drive vraiment loin, là. Ouais, j'ai plus toutes, mais... On avait fait un dessin avec le cours d'illustration basique.
Puis on avait ramené nos dessins, puis avec ça, avec Max, on avait fait comme des illustrations. On devait photo bâcher notre dessin à la base pour en faire quelque chose d'intéressant. Personnellement, ça n'a jamais été intéressant, mais en tout cas, l'exercice a été fait. Ah. Ouais. Oh, Seigneur. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai devant les yeux. À vos étudiants. Là, tu te sens pas fier. Ouais, j'ai un petit goutte de sueur sur le front là qui pop d'un coup. attendez qu'on en regarde ça un peu là. Tu veux voir? Tiens, regarde. Ça, c'est la magie d'un dessin au feutre mélangé à du Photoshop. Ah, ben oui, ben oui. C'est correct. Ben oui. Mais c'est en faisant ça qu'on arrive à faire des affaires belles après. C'est une itération du travail. Oups. Je rouvre la même affaire. Tac. Est-ce que vous avez fait ça à un niveau... un niveau en 2D, genre que vous aviez animé sur After Effects ou Premiere? Non, je sens que c'est ouais, moi je me suis gâté de ça. Je l'ai avec Maxime jeux, Raphaël en plus. Ah oh ouais, c'est ça. Ah, moi j'ai. Je me souviens de. Ah, ok, ouais, je vais le sortir moi tout. Je vais show off. Je l'ai encore cet TP là. On va faire péter les vieux travaux. C'est lequel? Quel TP? C'est un niveau de quoi? En fait, j'ai pas tout gardé. On dirait c'est un peu du devis. On sautait avec le temps. Avec le temps. Malheureusement. Des affaires que t'étais trop pas fier, je t'ai enlevé. Sûrement, j'étais comme ouais, bon, ça, je peux juste le supprimer, ça, c'est pas grave. Ah oh boy. J'essaie de le trouver là. Pour monter rien, les chevaliers, ça c'est le genre d'affaire. C'était le premier décor du coup, ça sur Photoshop. Puis n'empêche que l'air de rien de la première année de 3D versus sur mon site, les dernières affaires que j'ai faites, que elles sont faites en 2-3 heures. Ben Chris, on voit l'évolution. Fait que ouais. Ça sert c'est à quelque cool. chose d'apprendre les bases puis de faire des affaires qu'on n'est pas fier au début pour un jour en faire. Non, c'est ça. Qui nous font plaisir. Ouais, t'as pas le choix là. Faut juste que t'espères que t'aimes le processus là. Parce que. C'est... Parce que si t'aimes pas ça. Hein? Ouais, c'est ça. Je fais n'importe quoi puis. Comme ça commence à ressembler à quelque chose. C'est toujours ça ma technique. Tout ce que je fais. Du chaos jusqu'à temps que ça ressemble à quelque chose. Ouais. Panique. Ah voilà, c'est ça que j'avais fait. Oh my god, avec un truc communiste en plus. Oh boy. Avec, il fallait découper des images en 2D, puis on avait mis ça dans After Effects. Puis il fallait mettre du parallaxe. Fait que j'avais fait une base de 3D, genre ça c'est des planes, mis des textures par-dessus dans Photoshop. On le voit pas là, mais il y a une belle texture de floor là, qui avait juste un mode de fusion par-dessus des débris, des journaux,
Puis ouais. Cégep, ça, tout le monde. C'est du beau travail, c'est du beau travail, tout ça. Hein? C'est vraiment du beau travail. C'est à votre tour. Hey, moi, c'est trop loin, mes affaires, pour vrai. Mais je les ai pas dans... Je les ai pas sur mon ordinateur, c'est comme vraiment sur un disque dur externe. Rangé dans un coffre au fond du grenier. Ah ouais, pour plus le garder, là. Hey, j'étais tellement mauvaise, là, quand j'ai fini ces lettres. Ben, je veux dire, ça a un peu de pire, heureusement, on est tous passés par là et on a travaillé fort. Ouais, vraiment. Je vois les modeling d'Antoine là. T'as dû vu avec un gros décalage entre ton live et ce que je vois. Il y a quand même il y a au moins genre 15 secondes, puis ça fait relativement un bout. Ouais, c'était la première fois qu'on avait ouvert Sculptrice, je pense, c'était avant ZBrush. Il fallait faire un humain. Ça a l'air d'une affaire de pâte à modeler. Mm. Si j'ai encore ça. Disque dur. C'est comme dans mon disque dur, j'ai session 1, 2, 4, 5, 6. Il y a comme un trou, je sais pas pourquoi. Sûrement de la corruption de données qu'il y a eu à un moment, puis j'ai juste enlevé ça de mon disque dur. Mmh. Moi j'ai perdu. Toutes mes disques durs, ils ont juste arrêté de fonctionner avec mon stick. Ah ouais. Sérieux? Ouais. Juste parce qu'il était trop vieux, genre? Ouais, je sais pas. Je pense que j'ai vraiment, genre, je sais pas qu'est-ce que j'ai là, mais j'ai tendance à tout perdre mes disques durs puis tout perdre mes affaires. T'as comme un aura d'obsolescence, genre. Je suis à Binox, ça fait 3 disques durs qui meurent, que genre... Ouais. Tu sais, en plus, tu sais, je suis comme la seule personne, genre, qui est mal organisée, tu sais, puis qui save pas son stock sur le serveur, là, t'sais. Ça m'est arrivé hier, fait que t'es pas la seule personne. t'as perdu de quoi? Ouais, ça m'est arrivé hier, j'ai comme perdu mon blocking au complet, puis j'étais comme « Ah, cool! » J'avais pas mis sur le serveur, puis je sais pas pourquoi j'avais pogné un bug généralisé d'ordi, là. Puis j'ai perdu, genre, mon Photoshop puis mon Blender. Okay. Oh. Ouais, ça fait mal quand ça arrive. Ça a fait un peu chier, ouais, c'était comme une demi-journée de job, genre, là. Mais je l'avais sauvegardé en plus, mais j'avais juste pas mis sur les réseaux, ça. Ouais. Il a choumé dans ma face, là. À chaque fois que t'es pas vigilant, c'est là qu'il te pète dans la face. Ouais. C'est typiquement soit le jour où t'as oublié de sauvegarder, ton soft il crash, juste pour te rappeler que des fois t'oublies de faire des affaires que tu devrais faire. C'est ça. Mais comme, Comme s'il était là pour te donner une leçon à chaque fois, tu sais. C'est ça. Petit backstab. Tu l'apprends-tu, la leçon? Ouais, c'est ça. Et là, cette fois-ci, tu l'as apprise? Oui, c'est ça. Mais bon, les années passent et pourtant, ça change rien. Je suis en train de faire quelque chose de très moche. Hop. Rajoute des petits flares, Joey, des petits... Ouais, des petites créatures. Des petites lucioles, je crois. OK. T'arrives-tu à lire les streams, toi, Fabien, genre en mosaïque sur le site de Todor? Ouais. Moi, j'ai les 4, là, ils sont fluides devant mes yeux. Ah ouais, moi ça load tout le temps, il veut pas. Ok, correct. Ouais, je vois que je suis en train de loader actuellement chez toi. Tu vois aussi.
genre ça load quand même constamment de mon côté. Ah ben je peux peut-être baisser vos qualités. Ouais, pas ça, en 720 ou en 480 là. Oui, si c'est pour automatique ou 1080. C'est un peu comme écouter de la musique en Full HD sur YouTube. Il n'y a même pas de différence entre 360 et 4K. À part si tu regardais un clip. Ben, ouais, en si vrai, tu regardes, j'ai lu ça dans la compression. Mais tu sais, c'est subtil là, c'est genre dans la compression audio, quand tu auras du 360 ou du 480, t'as une compression un petit peu plus. Mais alors vraiment un tout petit peu plus intense, ouais, que si tu mets ça en HD. Fait que, tu sais. C'est la bonne raison pour regarder ses affaires en HD. En fait, ne pas regarder ses affaires en HD puis manger toute la bande passante. Quand même, c'est Maxime, je pense qu'il dit que ouais, ben c'est lui certain. Dans le bois de Matane avec la fibre, 4 Twitch ouverts en plus du site de Todor qui roule. Ouais, c'est ça. Ben Maxime, à Montréal, l'internet est pas super fou. En tout cas, dans Villeray, là, c'est pas tant fou que ça. On va dire, je dirais ça de même. Ça roule pas tant que ça. Peut-être j'ai de la chance, mais à Hochelag, je crois qu'on a la fibre, on a tout, hein, parce qu'on a 400 mégas ici. 400 mégas de quoi? De download? Ouais. C'est insane. J'ai vraiment pas ça. J'ai vraiment une connexion basic. J'ai le starter pack haute vitesse. Bon, c'est quand même correct. Bah, t'sais, ça fait la job. Bon, ouais, ça fait la job. Les régions for the win, mais ça, c'est quand même un peu vrai. Parce que à Percé, là, ils ont pas eu l'autre vitesse pendant un méchant temps. Puis quand la fibre est arrivée avec Bell, l'Internet est devenu deux fois plus rapide que l'Internet que j'avais à Montréal. Sérieux? Fait qu'il y a pas grand-chose à comprendre. Pas grand-chose à comprendre. Dans mon quartier, en fait. Ça se peut. Ouais, il y a peut-être juste moins de monde qui l'utilise, fait que c'est plus fluide. Ouais, vraiment. Généralement... Tous les jours, là, à 17-18 heures, quand les gens sont en train de rentrer chez eux puis qu'ils commencent à réutiliser leur internet, j'ai comme un down de connexion, parfois vraiment violent, ça me déconnecte de la job, genre. Ah ouais? Ouais. Genre, mon Teradifi, il supporte pas ça, là. C'est comme, je suis juste log out, puis je suis obligé de revenir. J'ai des lags ou quoi. Mais ça lag quand tu travailles sur ta machine avec pour la job? Ben moi, j'ai pas de machine de la job. J'ai un petit boîtier qui me sert à contrôler mon ordinateur à distance via le streaming. Mais c'est le stream qui lag. Ouais, c'est ça. Parce que le stream dépend de la bande passante complètement. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Hein, tu sais, quand ça crache, c'est pas de ma faute. Moi, ça me donne une bonne raison d'aller me servir un nouveau verre d'eau. Un verre d'eau ou une petite soupe miso. Oh oui, n'importe quoi. Un petit truc. Soupe miso. Des graines. Un petit tournesol. Ou des insectes. Chapeau. D'ailleurs, si vous êtes amateur de graines de tournesol, des insectes, ça marche. Ça le fait. Ça goûte similaire. Le nouveau véganisme. Cool. Bon, les enfants, on va exhiber nos créations. Let's go. Exhibons. Oh, allez, qui c'est qui veut commencer? C'est moi qui commence. Ok. Fait que, avant que tu commences, il faudrait que tout le monde aille du coup sur le site d'État d'art, puis aille sur le stream de Antoine pour pouvoir regarder ce qu'il fait. Ok. Moi, je peux juste montrer mon truc. Tu vois Joey qui est en train de rusher, genre en mode... c'est pas grave. On le laisse aller de même. Ok, franchement, voilà. Ça a l'air quand même vraiment nice ce que t'as fait, Joey. En tout cas, ma miniature me dit que c'est vraiment nice. Oui, c'est ça. Dans le fond, faut juste le regarder de vraiment loin, puis c'est vraiment beau. Faudra que j'ouvre vos streams parce que je suis pas capable de le voir dans mosaïque. Ah, puis là, il faut. Et tu veux qu'on rouvre le stream de l'autre personne, dans le fond? On va aller tous sur le live de Antoine. Pour regarder. Il va nous présenter son œuvre. Ouais, mon œuvre. Mon expression. Vous me direz quand vous verrez le truc. Ah!
Ouais, je vois, c'est cool. Je peux voir le rendu? Le rendu, ben c'est ça. Mais c'est rendu genre direct de, de Blender? Oh non, mon dieu, non. Ok, c'est ça. De Blender, ça a l'air de ça, genre la beauty. Ça a juste l'air... Ben, ok. Je pense que c'est le temps que je fais juste en parler. Tu sais, tout ça, c'est juste venu à cause que je voulais repasser sur les étapes pour faire cette animation-là que j'avais mis sur Instagram. Alright, super cool. J'avais pas mal mon plan, mais naturellement, les choses se passent jamais comme prévu. Fait que j'ai dit, ok, très bien. Je vais juste en faire une illustration, puis j'étais pas supposé de faire ça. J'étais pas supposé de faire du paint over dans Krita, mais finalement, ben, c'est ça que j'ai fait. Bon, là, je voulais explorer quelques matériels procéduraux avec la roche, avec l'eau, mais bon, tout ça, ça avait de l'air. Je regardais tout ça, je me disais, waouh, c'est catastrophique, ça. C'était impossible de faire une animation. Fait que j'ai juste envoyé tout ça dans Krita. J'ai fait, ah ouais, ben on va juste faire un paint over. Fait que c'est drôle, Caroline, hein? Tu parlais de grass brush, mais je l'ai utilisé un petit peu ici aussi. Juste pour softer mes transitions. Puis ben, on peint du foam, on peint des faux caustiques. Puis ben, overall, correct. C'est un petit peu drabe ici, là, ça manque de volume. Mais ok, je trouve ça correct pour ce soir. Ouais. Pour le temps. C'est correct, c'est correct. Mais effectivement, une coupe de photos, puis... Ça fera du bâche des affaires, des coups de brush atmosphériques, un cadre, let's go. Contraste. Ouais, le petit travail sur l'eau est cool. J'aime bien ça. La petite mousse, les petites écumes. Ouais, c'est ça, c'était comme, allez, on peint. On peint. Tu peux-tu remontrer celle que t'as postée sur... sur Instagram. Pour les Insta web. Les Instagram, c'est ici. Tu peux voir ça là. Tu peux voir ça ici. C'est un loop. Au final, ça loopait. J'avais une transition avec un volume. Il y a un volume qui fait la transition, mais c'est un truc qui loop. Puis la twist de tout ça, ben, la démarche du truc, c'était de tout faire procéduralement, tu sais, au final. Fait qu'il n'y a pas de texture là-dedans, c'est juste des maths avec des masques, là, puis des noise. Beaucoup de noise, au final. Ouais. Ça look bien, même, c'est nice. Ben voilà! On dirait du jello, genre, c'est cool. Ouais! Ou un genre de, justement, de fake d'eau de maquette. Je trouve. Ouais, Il y a un look maquette, genre fausse eau. Ouais, c'est vraiment cool. De bouteille en verre. Tu mets une petite bouteille avec avec ton paysage dedans. Ouais. Maquette, vraiment une maquette. Ouais. Ben voilà, guys. On va pouvoir passer dans l'ordre alphabétique sur Caroline. Oh my my. Eh oui, c'est à toi. Moi, je suis pas satisfait. Ok, ça arrive. Et voilà. Ça va. J'étais un petit peu en différé, là. Ouais, moi aussi. Ah, ok, voilà. Différé. Ouais, c'est ça. Oh, c'est cool, là. Il te manque toi aussi 3 heures, là, comme moi. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est comme Joey dit, le corps. Ah, en tout petit, ça look. Oui, c'est ça. En tout petit, ça le fait. Ouais. Ah, il m'était arrivé exactement la même affaire, la première édition. J'ai eu un petit 3 heures de plus. En plus, au départ, j'étais comme, moi, je vais faire un village, là. Puis j'étais comme, ouais, non, ça se passera pas, là. J'avais genre pas grand-chose de fait, là. Fait que... C'est ça. Franchement, pareil, hein, pour 3 heures, ça look quand même vraiment cool. Ah, merci. Mm-hmm. Ça va. Du détail. Raconte-nous, c'est quoi l'histoire de ta belle petite maison? Ah! Ben, en fait, j'avais fait des petits sketchs là, dans un cours d'architecture de maison, plus de. Un peu fantasy de pêcheur, là. Fait que c'était comme des sketchs que j'avais fait comme ça. Ok, cool. J'avais comme envie d'explorer et d'essayer de les mettre ensemble pour faire un petit village, là. Puis, fait que là, je trouvais que ma tier 1 était un peu trop intense. Fait que je voulais la rendre un peu moins propre. OK. Puis, ça serait comme un petit village, là, mais je me suis pas rendue à faire ça. Ah, ton illustration, elle me fait penser
Bah parce qu'en ce moment, je joue à Genshin Impact. Ça me fait penser aux maisons dans Genshin Impact. J'ai pas joué, mais je te crois. Mais c'est ça, fait que je voulais faire ça, mais c'est ça, j'ai pas eu vraiment le temps de me rendre aussi loin que je voulais, mais c'est pas pire. J'ai testé une couple d'affaires, par exemple, dernièrement, là, que c'est quand même cool. J'apprends en même temps. Non, ouais, c'est bon. Ouais. Félicitations, hein. Félicitations. C'est un beau résultat. Ouais, t'es ça, c'est cool. Pas, c'est une première expérience. Hein. Ouais, c'est ça. On est habitué de faire des trucs de plus comme genre 8 à 16 heures, là, tu sais. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Mon mic s'est déconnecté. Oui. Là, on t'entend, ouais. Okay. Ah ouais, c'est ça, là, en ce moment. Là, on est gâtés, là, à Binox. Là, ils nous laissent... Là, on peut genre passer une semaine sur un truc, là. C'est assez fou. Ouais, c'est wow. Ça. Fait que là, on dirait que c'est comme un peu de revenir à faire des trucs rapides, là. C'est pas la même game. Cool. Bon, ben, on va pouvoir passer à Joey. Let's go, Joey. Ouais, ben, c'est ça, là. Faut juste le regarder de loin. Alors, regarde loin. Ton illustration, elle est coupée dans mon écran. Je sais pas si à vous, ça le fait aussi. Ok, attends, je vais la montes un peu plus. Ouais, ouais. Je vais la mettre plus au milieu, là. C'est pas... Attends, ce sera pas long. Non stress. ce que je vois, ça a l'air quand même pas mal. Hein. Ouais, non, ça va pas pire. Ouais. Je comprends pas pourquoi c'est coupé, mais... Ok. Ouais, je pense que c'est juste comme si on voyait plus zoomé dans le fond, là. Ouais. Ah ouais, voilà. Ah ouais, ça va marcher, là. Cool. Attends, je vais enlever le background. peut-être si ton illustration, tu la déplugues d'un onglet et tu la transformes en une petite fenêtre. Ouais, Bundy. Tu vas pouvoir la déplacer et la mettre à la taille que tu désires. Non, mais comme ça devrait être correct, là. Ça va apparaître dans pas long, je pense. Une bonne question. Streames-tu ton écran ou Photoshop? Parce que tu peux streamer des applications, puis c'est chiant des fois un peu. C'est Photoshop que. Stream? Ouais. Ah, okay, ça doit être ça. Ouais, fais juste dézoomer, puis on voit. Bon, ouais. Mais quand tu dézoomais un peu, on voyait tout. Là c'est quand... parfait. Ouais, c'est parfait. Ouais, là ça marche. Mm-hmm. Ouais, ça s'en vient bien, c'est cool. Oh ouais, vraiment. Les oreilles, un cheval. Il y a quelque chose de Shadow of Colossus. Ah ouais, moi parcourir les plaines. Witcher, ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire, là, que t'es comme ça me prendrait un autre 3 heures pour être satisfait. Ouais. Mais pour vrai, c'est nice, là. C'est cool. Ça a quand même bien marché, tes armes. Oh ouais, le résultat est là. Ouais, pareil. Vas-y, Joey, raconte une petite histoire. Arrange cette partie-là. C'est ici. Après ça, les pantalons sont pas beaux. Après ça, ça pourrait être quasiment correct. Faudrait une petite branche ici. Là. C'est des pantalons de télétravail. Un petit pyjama, genre. Ouais, grave. Ouais, mais ça, dans le fond, c'est un character que j'ai fait quand j'étais à l'université. Ok. Pour un cours. Je fais juste le réutiliser, là, parce qu'il est comme à peu près rigué, là, tu sais, avec Mixamo. Puis, j'aime son chapeau, là. Fait que... Ah, c'est cool. Je le réutilise quand que je peux, là. Ouais, tu sais, faut pas mal de photobash, là, pour... Hey, ça, c'est le pour le mettre à ton goût, ça. Rendu avant photobash? C'est le rendu. Ok, ouais.
Ouais, il y a quand même de la job. Nice. Ouais. Mmh. Non, c'est cool. Autobash! Oh yeah! Ouais, hein, tu l'as beaucoup relighté, ton personnage aussi, parce que dans la beauty, il est comme sous-exposé, mais après, dans le paint-over, ça a plus de sens. Ouais. Ouais, c'est... Parce que pour les genres de trous d'éclairage, ça aurait juste été trop long d'essayer de trouver un pattern qui est cool. Tant que ça, je vais juste faire... Ben, j'ai pas encore vraiment trop... Ben, pour le character, c'est cool, là, mais... c'est ça, il y a bien du travail encore à faire, là. Ben, ça sent bien, c'est cool. Mais ouais, très, très, très cool, hein. Bravo encore, du beau travail pour 3 heures. Ouais, ouais. Reste-toi. Reste-toi, Fabien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est parti, vous pouvez venir sur mon flux. Sur ton flux, exactement. Bon français. Dites-moi comment vous voyez. Puis, moi, je vois. Au revoir. Vous voyez? Okay, ah, cool. C'est cool. Ouais. Fait que c'est ça que j'ai fait en 3 heures. Ouais, c'est nice. Fait que c'est ça. Cool. Moi, je suis parti d'un modèle de Daz que j'ai mis en pause. Puis à partir du modèle, une fois que je l'ai importé dans la scène, j'ai comme remodélisé un petit peu son visage, puis en le lightant, très simple, 3 lights, un petit shader. Ouais. On va mettre ça dans la... Ah, ça le fait, oui, c'est nice. Ça marche très bien. 3 lights, un petit shader. Ouais, c'est vraiment clean. Puis le tout, une fois rendu. Ouais, c'est vraiment cool. Ça donnait quelque chose... De même, je vous affiche le rendu. Il est low. Tac, tac, tac. Fait que ça, c'est le rendu de base. Okay. Qu'est-ce que j'ai fait dessus? J'ai retravaillé un petit peu les yeux, en fait, les éclairages, toutes les photons, les bandes de lumière qui étaient comme pas géniaux. Puis corriger 2-3 affaires pour concentrer l'attention aux bonnes places, genre diminuer un petit peu la lumière sur les oreilles, etc. J'ai modifié 2-3 affaires pour juste rendre ça un petit peu plus esthétique, puis soft au maximum, pour concentrer vraiment l'attention sur le personnage et rien d'autre, et son visage. Fait que c'est pas mal ça, c'est ça que j'ai fait. Cool. Tout à l'heure, t'avais dans ton compositor d'ouvert, mais t'avais-tu sorti des passes particulières pour ça? Ben, en fait, j'ai sorti vraiment des passes basic. C'est-à-dire que, généralement, de base, automatiquement, genre une glossy, ben, je ne l'ai pas utilisée. Je sors toujours ça de base. L'image, la shadow, gloss, AO. Puis finalement, j'utilisais juste l'image. Puis j'aime bien dans Eevee, je rends toujours au moins une passe dans Eevee pour sortir la bloom. Parce que j'aime vraiment beaucoup la bloom de Eevee. Je l'utilise. C'est vrai qu'elle sort dans les rôles. Ouais, je l'utilise vraiment, vraiment très, 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 très souvent. Fait que c'est ça. Pour mettre le petit, le petit highlight à la fin en plus. Mm-hmm. Non, c'est vraiment. Un petit, ouais, c'est le petit. Le petit oomph. Ouais, un petit ouf. Voilà. Bien joué, Fabien. Bien joué. Heck wow. Good job, guys. La douceur et la délicatesse du corps humain. Ouais, c'est pas mal cool. Oh, quelle subtilité. C'est ça, la première version d'État d'art. J'avais fait ça. J'avais fait ça, celui de droite, que j'ai donné un petit peu plus d'amour à la fin du live. J'ai mis quelques coups de brush en plus pour ajouter des petits détails, mais celui de droite, là, c'était celui que j'avais fait dans la première édition. Puis c'est ça, ça manquait de quelques heures, mais j'ai mis un petit 30 minutes de plus juste pour peinter un peu les roches, pour retravailler les textures, puis la tension, mais... On n'a pas beaucoup de temps quand on a 3 heures.
Ah non, ça passe vite, là. C'était assez fou. Fait que, hein? Ben, et félicitations à tous. Félicitations tout le monde, ouais. Yes. J'espère que ça a été un plaisir pour vous. Une fin de cérémonie, y a-t-il un speech de fin? Ben, y a-t-il un cocktail? Tout ce que je pourrais dire, c'est que je remercie déjà le cégep de Matane et Faust pour nous avoir donné l'opportunité en fait de faire cette deuxième édition en collaboration avec eux. Puis, ce qui était cool à travers ça et que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est de faire aussi cette édition-là avec avec trois collègues qui ont fait le même programme que moi, qui travaillent. Fait que c'est cool de faire ça tous ensemble, puis de se rappeler des bons petits souvenirs du cégep. Ouais, c'était vraiment fun. Puis, c'était cool, guys. Je trouve que l'exercice de faire une pièce en 3 heures, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant, puis que j'ai vraiment envie de reproduire et de reproduire et de reproduire. Fait que ça a été vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ce soir, parce que vous avez tous une belle énergie et vous faites du beau travail, c'est vraiment beau à regarder. Fait que ça pourrait être avec plaisir qu'on pourra se faire une autre édition avec encore d'autres personnes. Ouais, fait que, exact. Voilà, merci à vous, merci aux spectateurs d'avoir été là et d'avoir interagi avec nous tout au long du live. C'était vraiment merci plaisir. D'avoir été là. C'est si vous n'êtes pas là, c'est moins drôle. Oui, c'est ça, hein. Puis faut pas oublier que... Je crois qu'ils peuvent le regarder après. Comment? Ils peuvent le regarder après. C'est ouais, c'est ça. Avec tous les lives, tout est enregistré, fait qu'on va avoir des replays, des breakdowns raccourcis en 30 secondes pour les différents réseaux sociaux. Mais c'est ça, hein. Merci à vous d'avoir été là. Écoute, parce que sans vous, je veux dire, je peux pas faire un événement tout seul, fait que c'est plaisant de vous avoir là. Ah ben, c'était une bonne collaboration. Ouais, ça s'est bien passé. Ouais. Fait que c'est comme ça, on va pouvoir clôturer. Je vais souhaiter à tous nos viewers une agréable soirée. À vous aussi, une merci, agréable guys. Soirée. Si vous voulez, c'était une soirée à tous. Vas-y, Caroline. Ah, mais j'ai pas particulièrement de. Ouais, vas-y, Caroline. Ah, j'allais juste dire que c'était le fun. Comme j'ai dit depuis, genre, j'arrête pas de le dire, je fais juste comme c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Ouais, ben exactement, même chose pour moi. Non, c'était bien, c'était cool. C'est tellement fun qu'il y ait plein de problèmes et qu'il n'y a rien qui se passe comme du monde. Mais qu'on continue quand même à improviser. Ouais, c'est ça. C'est pas un bon moment, c'est ce qui se passe correctement. Je regarde, je suis positif pour une prochaine expérience, pour réitérer la patente. Oui, il va y en avoir. Ouais, c'est très chouette. Magnifique. Bon, ben, on va pouvoir couper nos lives. Passez à tous une bonne soirée. À très bientôt. Bye bye. Bonne soirée à tous.